un nouvel étalon de plat ici à Castlelight, c'est Eva Wood. Alors un vrai 2 ans, mais j'aurais parlé plutôt du pédigré. C'est complètement différent des pédigrés habituels ici à Coolmore. Pas de Dan Hill, pas de Saddle Swells, pas de Galileo, du Roberto, du Green Desert. It's a very particular horse. Eva Wood, he was very precocious, very fast. Everybody knows that. But in terms of pedigrees, it's completely different than usual here. No Saddle Swells, no Galileo, no Dan Hill. Yeah, no, we're very lucky. He's completely free. Both Saddle Swells, Dan Hill blood. It's a new line for us. We're getting into the Invincible Spirit, Green Desert, out of a Red Ransom mare. And he opens up a whole new avenue for breeders that have Dan Hill line mares or Galileo's line mares, Saddle Swells line mares. You know, he provides an option for them, and he's a gorgeous looking horse, very, very fast. He was an expensive yearling, and you know, he's going down very well with the breeders. He's what the market is looking for, speed and 2-year-old and quick to come to hand. Voilà, c'était un étalon donc qu'ils ont acheté hein, après sa carrière de course, qui avait déjà été acheté assez cher, yearling, et voilà, complètement libre du sang de Saddle Swells. C'est très très difficile aujourd'hui de trouver, surtout en Irlande, des chevaux qui n'ont pas du tout les sangs de Saddle Swells, cheval très précoce, donc ça offre la possibilité à beaucoup d'éleveurs de croiser leurs juments qui ont tous le sang de compte. Quasiment toutes les sangs de Saddle Swells et Dan Hill, avec cet étalon qui vient de lignées maternelles complètement différentes, Green Desert, Roberto et compagnie.